On va parler de la Shoah de façon un petit peu indirecte. Et pourtant, c'est un immense paradoxe, parce que voici des super-héros qui, normalement, peuvent tout faire. Enfin, Superman peut tout faire. D'ailleurs, il y a une histoire de Superman de 1946 où on voit Hitler et sa bande qui essayent de convaincre Superman de rejoindre leur club de surhommes, ce qu'il n'accepte pas, évidemment. Et Captain America, qui plusieurs fois va rentrer dans des camps de concentration sans les libérer jamais, à une exception près, dans un épisode qui s'appelle What If, où Captain America libère Auschwitz, sauf que c'est dans un autre espace-temps. Donc c'est assez paradoxal. Magneto, c'est une conséquence en fait de la prise de conscience de la Shoah à partir des années 80. Chris Claremont, qui est le scénariste en titre des X-Men, va faire de Magneto non seulement un juif, ce qu'on ignorait jusque-là, mais un juif rescapé d'Auschwitz. C'est précisément la raison pour laquelle il est le grand méchant des X-Men, c'est que c'est quelqu'un qui ne croit plus en l'humanité parce qu'il a vécu l'expérience des camps de la mort.